That's why babies cannot go to work. À cause ça même un bébé va pas travailler. Babies cannot take responsibility. Un bébé va pas prendre responsabilité. You have not left the home with the baby. Tu n'es pas capable même quitter le bébé la case. If you leave baby at home, si tu laisses un bébé tout seul la case, you have to get a babysitter. Tu es bizarre, elle a dit qu'elle pouvait aller. To look after them. Pour qu'ils regardent lui. Otherwise, they could fire in the house. Sinon, je peux mettre chez dans la case. You understand that? Est-ce que je comprends? If you cannot leave your house, your own house, with your children, si tu ne peux quitter la case tout seul avec tes bons enfants, how the master of the work can leave his work with you? Comment est-ce que le maître est capable de quitter la maison dans te l'armée? How can he leave the field with you? Comment est-ce qu'il quitte le champ et la moisson dans te l'armée? You understand that? Est-ce que je comprends cela? You can leave someone, one person at a time. Tu es capable d'amener une personne à Christ un à la fois. But you cannot bring the harvest in. Mais tu n'es pas capable d'amener la moisson à l'intérieur. It's too heavy for you. Parce que le travail là est trop lourd pour toi. It's too hard for you. Le travail là est trop dur pour toi. You're too weak for that. Tu es trop faible pour ce travail là. You don't even know how to do it. Tu ne même pas connaître comment faire le travail là. You don't have a clue. Tu n'as même pas l'idée comment faire le travail là. You don't know where to start and finish. Tu ne même pas connaître code pour commencer, code pour finir. You don't even know if it's ready to cut or not. De même pas connaître si ça fait là une prend pour être cueilli ou pas. Est-ce que je comprends qu'il me peut dire? Solid food. La nourriture solide. You must eat solid food. Je vais bien manger la nourriture solide. I'm giving you solid food this morning. Vous déjà enseigné de la nourriture solide, c'est ce qui m'a fait donner ce matin. This is solid food. Ce qui m'a fait donner ce matin, c'est la nourriture solide. This is not milk. C'est pas du lait. Amen. Amen. Paul understood that. L'apôtre Paul est arrivé comprend ça. That's why he said that. À cause même lui-même il dit ça. As he looked at them, he said, you're still baby. Les gars, le peuple dit, mais je t'en cours, mes enfants. How can we notice that a man is a baby? Comment est-ce qu'ils t'ont reconnu qu'un homme n'est pas un enfant? He's like acting like a baby. Parce qu'il peut faire ma action qu'il va un bébé faire. Children doesn't want to share sometimes. Mes enfants n'ont pas content pour partager. If they got a cake or something or a present or whatever it is, a toy, they will not share it with our children. This is mine. It's the same in the spiritual realm. Les pareils dans le monde spirituel. If you are not spiritually mature, si tu n'es pas mature spirituellement, you will not share anything. Tu n'es pas partager non rien ce qui te. Even your money. Même que l'argent. You give a little bit. Tu peux donner petit bit. You don't want to give tithes. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de donner. Because your thinking is like this is mine. Parce que tu penses c'est moi qui travaille pour moi ça. Je suis pas capable de donner. This is mine. C'est pour moi ça. Children don't share. Mes enfants pas partagent. Children don't share. Mes enfants pas partagent. Men. Mais mes hommes. I understand. Qui comprend. When you give. Qui comprend que quand te donner, you receive, te recevoir, and there is more pleasure to give, et la plus beaucoup satisfaction than te to receive, qui quand te recevoir, you will give. À ce stade où commence de vie. This is man. Ça c'est man homme. Spiritual man. Man homme spirituel. Mature man. Man homme qui mature. Not baby. Pas man bébé. A baby want to receive all the time. Un bébé désire donne-moi le sang. Want to receive all the time. Tout le temps, il a envie de se recevoir. Pastor, visit me. Il te dit, pasteur, rends-moi visite. Pastor, pray for me. Pasteur, priez pour moi. I've got a problem. Mais il y a un problème. Always have problem. Tout le temps, il y a un problème. But not a mature man. Mais pas un homme qui mature. A mature man knows how to pray. Un homme qui mature, il connaît comment prier. Know his God. Il connaît son bon Dieu. Know who is he? Who he is? Il connaît qui s'en a été. And what he can do. Et il connaît qui il est capable de faire. You know who is on his side. Il connaît qui s'en a à ce côté. Amen. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians. 1 Corinthiens. 3:2. Chapitre 3, verset 2. «
I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. How he know that? Comment est-ce qu'il connaît ça? Because he saw. Parce qu'il l'a trouvé. Their action. Il trouve de battre son action. Their living style. Il trouve façon qu'ils vivent. Amen. Children like to go to seaside. Mes enfants vont à la mer. Go to the mall. Mes enfants vont à faire shopping dans mall. Go to the car. Je compte dans le tour. Travel. Je compte voyager. Go out. Je compte sortir. But they don't want to go in. Mais mes enfants pas content descendant. Go into the room. De pas content reste tout seul dans la chambre. Going to the quiet place. De pas content à dans un coin tout seul. Speak to the Father. De pas en content résiste là cause de papa. You understand what I'm saying? De comprendre comment Jésus. When we organize outing. Quand on organise un plan pour sortir. We got 100% present. 100% du monde là même. When you organize a prayer meeting. Quand on organise une réunion prière. 10%. 10% du monde qui là. That tells us. Ça montre nous déjà. Where are you? Qui niveau je t'ai dit? In which level are you? Donc, le qui niveau je t'ai dit? My new book is coming. Mon nouveau livre est sorti. Amen. For leaders. C'est pour mon leader, c'est pour mon dirigeant. I receive a prophecy one day. Un jour, je recevoir une prophétie. That said that I'm going to receive insight of the kingdom. Qui sa prophétie là dit qu'il va pouvoir un aperçu de comment le royaume y était. And at that time, et à cette époque là, I said to myself, ben dis à moi-même, what kind of insight is that? Quel était aperçu qu'il va pouvoir gagner? And now I understand. Maintenant on arrive à comprendre. This or the insight. Déjà ça l'aperçu de comment le royaume y était. Amen. Amen. There is ranking in the spiritual realm. Dans le monde spirituel, il y a différents rangs. In the heaven, this is not my message. This is my new book. I just give you a glimpse of it. Ça n'est pas mon message, mais juste comme dire en parenthèse dans le livre Paul de ça. The angel got ranking. Même dans le ciel, bah non, je t'ai un rang. Yes. Amen. Woo! Hallelujah, Jesus. On earth as well, you must have ranking. Même sur la terre aussi, te disais dans ma vie. If you go in the police force. Si tu es dans station la police, dans la force policière. You go in the army. Si tu es dans l'armée. In the hospital. Si tu es dans l'hôpital. Yes, okay. Et non, ma différemment. Ranking bring responsibility. Yes. Ben rend là déterminé quel niveau responsabilité tu es là. And reward. Et qui qualité récompense aussi que vous payez. Amen. More your ranking is higher. Le plus qu'il te bouge de niveau en niveau. You receive more responsibility. Ton niveau de responsabilité y augmente. And your reward is great. Et ton récompense aussi est plus grand. And your adversary is so great. Et ton adversaire aussi est beaucoup plus fort. Yes. Yes. Amen. That's why the Lord said, I will not let you be tested more than you can. À cause of même le Seigneur dit, il n'est pas pour l'histoire être éprouvé plus qu'il est capable de dire. That's why Paul said there is a domination. C'est pour ça que Paul dit qu'il y a plusieurs dominations. Principalities. Il y a plusieurs principautés. He knows ranking. Il connaît dans le monde spirituel et dans différents rangs. That's why he said. C'est pour ça qu'il dit. Jesus said. Jésus fit dire. This type. Sa qualité là. Only goes out. Mais seulement sortit. Through fasting and prayer. À travers le jeûne et la prière. Amen. The other one you can cast it out. Ben les autres qualités là tu peux chasser de sortir tout de suite. In Jesus' name, get out. Dans le nom de Jésus, te Jésus sortit de sortir. And the disciples said, Jesus, why couldn't do that? Et le bandit de demande Jésus, mais qui fait nous nous chasse cela? Because this time. Parce que sa qualité là. This is the new realm.
Une nouvelle dimension, ça. New level. Un nouveau niveau. New understanding. Une nouvelle compréhension. New relationship with God. Un nouveau niveau de relation new avec in the Dieu. Spiritual. Un nouveau rang dans le monde spirituel. Et sa qualité-là, lui sont seulement through prayer and fasting. Avec Paul, le jeûne et la prière. If you only like, et si tu seulement comprends, when we will do outing, c'est seulement à temps comme nous faisons une sortie. To go to the garden, to the seaside. Quand nous parlons jardin, quand nous parlons la mer. This time is not for you. Sa qualité qui ne peut causer là n'est pas pour toi. Amen. Amen. You must like not only like out, you must like in. Tu ne seras pas content si ce n'est pas ce qui nous fait en dehors, mais ce qui nous fait en dehors aussi. That's why Jesus said when you pray. C'est pour ça que Jésus lui dit quand on go into your room. Aille dans te la chambre. Get in. Rentrer. Not go out. Ne pas se faire sortir devant tout le monde. Yes. Amen. Amen. Okay. First Peter. Premier un Pierre. Deux. This is in the Bible. C'est qui m'appelle Paul et là il est dans la Bible. Like human babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. For now you need milk to grow. Pour l'instant je peux vous indiquer. If you are a baby. Si tu es un bébé bien sûr. You need milk to grow. Si tu es un bébé tu vous indiquer pour grandir. And milk is the word of God. Et le lait c'est la parole de Dieu. Read the word of God. Lis la parole de Dieu. Listen to the word of God. Écoute la parole confess de Dieu. Confess the word of God. Confesse la parole de Dieu. Grow spiritually. Tu dois grandir spirituellement à travers cela. And when you grow. Et quand tu grandis. Eat solid food. Tu dois manger la nourriture solide. To make you stronger. Pour faire ta vie plus fort. To stand on your feet. Pour qu'il te capable de bout le tenir. Fight for yourself. Pour qu'il te capable de combattre pour toi-même. For your family. Tu dois combattre pour ta famille. For your ministry. Tu dois combattre pour ton ministère. For your finance. Tu dois combattre pour tes finances. Don't wait for pastor to lead. Pas quand pasteur pour venir faire quelque chose pour toi. Amen. You have to grow. Tu dois apprendre à grandir. Cast out your own devil. Tu même tu capable chasse ton propre démon. Amen. Put Jesus in. Fais Jésus rentre dans ta vie. And Satan will leave you. À l'instant même Satan pour venir quitter toi. Resist him. Tu dois résister l'ennemi. Submit yourself unto God. Tu dois soumettre toi-même à Dieu. And he will flee from you. Et l'ennemi n'est pas obligé de quitter la vie. That's solid food. That is solid food. Ça c'est la nourriture solide. But sometimes we don't want to hear that. Mais bon, des fois, ne pas envie tant de cela. Oh, pastor, pray for me. Oh, pasteur, priez pour moi. It's so easy. Parce qu'il est facile. Pastor can pray. Parce qu'il n'a pas prié. Oh, the Lord bless him. Parce qu'il n'a pas fini de dire Seigneur bénis-lui. No, the Lord anointed him. The Lord anointed him. Dieu finit déjà à lui. Il est de là. Tu finis de penser que Dieu, le pasteur, il est déjà être béni, il est déjà être oué par Dieu. Donc, fais-le, dis-lui pour prier pour toi. It's so easy. Parce qu'il est facile. This is not the one. This is not the plan of God. Mais c'est pas le plan de Dieu qui attend. This is not the desire. C'est pas le désir de Dieu. Of God for you. Pour toi. He placed all that situation before you. Dieu peut mettre toute la situation pour laquelle tu peux passer devant toi. Just to make you grow. Pour force-toi à grandir. Amen. It's like you receive homework to do at home. Pareil comme on va to do at home. Pareil comme tu as un devoir de l'école pour faire à la maison, un devoir là, tu sais faire la case. You don't do your homework. Tu n'as pas fait tes devoirs. And you come at school. Tu reviens l'école. And you tell your friend. Et tu dis à ton camarade. Give me your exercise book, please. Donne-moi ton cahier. And then you just copy the thing. Yeah. Après, tu dis copier les devoirs. You're not doing your homework. Tu n'as pas fait pas faire tes devoirs. And when the exam comes. Et quand l'examen finit. What will happen? Qui peut arriver? Same in the spiritual realm. Mais pareil dans le monde spirituel. You receive homework every day. Tu as un devoir, responsabilité pour faire tous les jours. Do your homework. Faire tes devoirs. So that you can pass your exam. Pour qu'il te capable passer l'examen. And as you pass your exam. Et quand tu passes l'examen. You will not stay on the same level. Tu pas pour rester au même niveau. You will take you to the next level. Tu pour monter de niveau en niveau. Amen. Amen. Galates. 4:1-4.
Galates 4, 1 à 3. What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole state. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. Heirs. Ben héritier. Heirs. Ben héritier. Every heir got an inheritance. Chaque héritier y a une part de l'héritage. Your father will give you your inheritance. Ton papa lui peut donner toi ton héritage. That's why he make us heirs with Jesus Christ. À cause sans même lui faire nous les ben héritiers à travers Christ. Co-heirs. Ben co-héritier. To receive. Pour recevoir from Christ, de la part de Christ what is God. Ce qui est en Christ in me, Christ en moi, me in Christ, moi en Christ, we are one, nous vivons seul, I receive the inheritance. Nous vont recevoir l'héritage. Inheritance. Héritage. Amen. Amen. The Bible says, la Bible dit, if you are not mature, si tu n'es pas assez mature, even though you got a million rupees in the bank, même si tu as un million rupees dans la banque, you cannot use them. Tu n'es pas capable de servir ça comme ça. You can look at it. Tu es capable de guetter. Check it. Tu es capable de vérifier combien il était. But you cannot use it. Mais tu n'es pas capable de servir. Because you're not mature. Parce que tu n'es pas assez mature. In the spiritual realm too. Dans le monde spirituel, il est pareil. You've got power. Tu as la puissance. You've got the anointing. Tu as l'onction. You've got the prophecy, the promise. Tu as la prophétie, la promesse. That you will be a great man of God. Qui dit à toi que tu peux être un grand homme de Dieu. But if you sit and do nothing about it, mais si tu es assis et tu n'as pas fait non, you will not inherit. Tu n'as pas pour gagner l'héritage qui disait. You will not inherit it. Tu n'as pas pour gagner l'héritage. You will not receive your inheritance. Tu n'as pas pour recevoir ton héritage. You will not hold it. Tu pas pour tenir l'île. You will not use it. Tu pas pour ainsi servir. Amen. Amen. God is your father. Dieu est ton papa. That's why Jesus told us to pray. C'est pour ça que Jésus dit à nous prier. Our Father. Notre Père. That makes us an inheritance. Déjà quand nous disons cela, ça fait nous venir un héritier. Make us heirs of the living Father. Lui fait nous venir un héritier du Dieu vivant. To inherit whatever He planned for us. De nous l'accès pour qu'il soit capable de recevoir un héritage, ce qu'il planifie pour nous. But you have to be mature for that. Mais tu es bien assez mature pour tenir ce qu'il a. Because if you are not mature, parce qu'il n'est pas assez mature, the father will tell a man of law, le papa pour donner accès à un homme de loi, to control that inheritance, pour contrôler sa héritage pour toi. Until you reach the maturity. Jusqu'à que tu arrives niveau maturité qu'il disait. You may have a million rupees. Tu es capable d'avoir en héritage un million rupees. But you will never be able to use it. Mais tu n'es pas capable de servir comme toi ton envie. The other person. Cet homme de loi là. Can use it. L'est capable de servir. Can make use of it. L'est capable de toi accéder. Give you a little bit. L'est capable de toi petit ce qui est capable de tenir. Of what is yours. Ce qui est pour toi. So in the spiritual realm, et dans le monde spirituel, as God said, comment Dieu nous dit, He blessed us with all the spiritual blessings. Dieu nous dit, il finit de nous toute bonne bénédiction. In the spiritual realm, dans le monde spirituel. But if we cannot bring that spiritual blessing into our lives, mais si nous pas capable de mettre sa bonne bénédiction spirituelle là dans nos vies, it will stay on the spiritual realm. Il pourrait rester dans le niveau spirituel. Not in the physical realm. Il pas moving dans le monde physique. Because you have to be mature for that. Parce qu'il te besoin assez mature pour ça. You must know how to bring it into the world. Toi qui besoin connaître comment parler dans le monde. You must know how to tap in it. Tu besoin connaître comment pour accéder à ça. How to reach it. Tu besoin connaître comment pour toucher. How to take all on it. Comment vous prendre. How to bring it into your life? Comment pour amener dans ta vie? So you need to grow. Donc tu dois grandir. It's important for you and I to grow. Il est important que toi et moi grandissions. We need to grow. Nous devons grandir. We cannot stay on the same level all the time. Nous ne pouvons pas rester au même niveau tout le temps. We cannot stay a baby all
all the time. We cannot stay on the same realm of a relationship all the time. And baby, when you come to the father, say, daddy, daddy, papi, papi, I want this. And the father will say, what will do you? What will you do with that? No, it's too big for you. Non, ça est trop grand pour toi. But if you are a man, mais si tu es un homme, and you say, Dad, et te dire, Papa, I want this, je veux ça, I need this, je veux ça, I'm going to do this and that. Je veux faire ça et you explain ça, what you are doing, déjà because you know what you will do. Parce que déjà le plan qui te the father ça, did you. Le papa dit de toi. Because he knows that you will not hurt yourself. Parce qu'il connaît de pas pour blesser toi, que c'est qu'il coupe de toi. Because you can sit and talk. Parce qu'il te capable à ciser que you can discuss. Tu peux discuter. You can explain. Tu peux expliquer ton papa. You are mature now. Tu as assez mature pour les conversations. You've been to school. Tu es allé à l'école. That's why disciple must learn. À cause ça même ma disciple disait apprendre. A disciple is only someone who learns. Un disciple, c'est juste un ticket. You can say, I'm going to this church and I'm a disciple of this church. But if you are not learning what you are listening, mais ce pas pu mettre en pratique ce qui te and not practice what you are listening, et pas mettre en pratique, you are not a disciple. Tu pas un disciple. You're only a follower. Tu es un qui suit, tu es un follower. A follower comes only to receive. Un follower quand il vient à l'église, il vient là pour recevoir. To receive bread. Il vient pour recevoir. To receive healing. Il vient recevoir la guérison. To receive deliverance. Il vient pour recevoir la délivrance. That's only a follower. Ça c'est juste quelqu'un qui suit. When there is no anointing. Quand peine à l'onction. When there's no healing. Quand peine à la guérison. When there's no blessing. Quand peine à la bénédiction. He just leave. Il vient aller. He got nothing to do with you. He's looking for somebody else. That can give him whatever he wants. But not a disciple. A disciple sit with you. Eat with you. Talk with you. Learn from you. Il apprend de toi. Support you. And disciple, il support toi dans ton travail. Encourage you. Il encourage toi. That's a disciple. Ça c'est un disciple. But you must not stay on the disciple ramp all the time. Mais même ça pendant tout le temps, tu pas besoin de rester niveau d'être un disciple. This is my new book. Ça c'est dans mon nouveau livre encore. You have to grow all the ways. Always have to grow. Tu besoin de grandir encore. Tu tout le temps besoin de grandir. Always learn. Tu besoin tout le temps. Always learn. Tu besoin tout le temps. Always seek. Tu besoin tout le temps de chercher. Always ask. Tu besoin tout le temps de demander. Always knock. Tu besoin tout le temps de taper. Always ask. Que tu sais tout le temps peut demander. Amen. Amen. That's why my children knows. C'est pour ça que vos enfants se connaissent. I teach them only once. Bon, en fait, je dis une seule fois. And the second time when they come. Et deuxième fois quand je viens. I will make sure that they really learn. Bon, pour rassurer qu'ils aient appris ce qu'ils me montrent. Because you cannot just. I don't know how to say that. You cannot just only stay on that same level and need me always because I will not be here forever. Il n'est pas capable tout le temps de montrer tes mêmes affaires encore et encore parce qu'il ne va pas pour là tout le temps pour montrer tes mêmes affaires. If you cannot open the microwave, si tu n'as pas ouvert le micro-ondes, you never been in the kitchen. Si jamais tu es dans la cuisine. You never saw the kitchen. Si jamais tu pas connu que la cuisine là. Exactly. You don't even know where the kitchen is. And you always eat. Et mais tout le temps tu peux manger. And one day. Et un jour. You are alone at home. Tu es tout seul la case. And you have to use the microwave. Et que tu sais c'est le micro. And now you are looking in every room. Est-ce que tu ne repères tout le micro là? Where is the microwave? Tout le micro là. And you finally find it. Et finalement tu trouves le micro là. And now you don't even know how to open the microwave. Assez de même pas connaître comment ouvrir le micro-ondes. Where's the manual? Que ce mode d'emploi? How to use them? Comment servir ces affaires là? You are in big trouble. Tu es dans un grand problème. Okay, you say, okay, leave the microwave. Allez, oublie le micro-ondes. Where's the stove? Que ce four à gaz? How to light this thing on? Comment allumer ces affaires là?
have to learn. De trouver, je disais, apprendre quelque chose. You have to learn. Je disais, apprendre. That will tell me. Ça vous montrer moi. As a father. En tant qu'un papa. That you grow. Si tu as grandi ou pas. I may have children 30 years. Nous avons des enfants pendant 30 ans. Still baby. We cannot do anything by ourselves. We still need mommy and daddy. Toujours besoin de mamie et papa. Mami, daddy. Mami, daddy. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Where is my thing? Qu'est-ce que vous avez fait? The stove cannot, does not want to light on. Ça fout un gaz, il pas la lumière pas du tout seul. I'm making a joke, but the thing is real in the spiritual realm. If you don't even know how to cast that devil out, how to heal the sick, because the word said, as you believe, this is the sign that will follow you. Pour accompagner toi. And you don't even know how it works. Et tu ne même pas connais comment ça how travaille. Comment tu peux servir sa puissance là? Je comprends qu'il voudrait dire. We finish with that. Oui. Okay. Inheritance. L'héritage. Make use of it. Servite l'héritage. But you have to be mature. Mais tu es bizarre, c'est mature pour connaître comment servir. God needs someone to be mature, to give him responsibility over a city, for example. Dieu envie quelqu'un qui est assez mature pour qu'il soit capable de mettre responsabilité, peut-être la ville, lui. Please. S'il vous plaît. Grow. Grandis. You need milk for a certain time. Tu as besoin de lait, oui, mais seulement pour un certain temps. But you need to, but you have to eat. Solid food as well. Mais tu bisais manger un autre chose solide aussi. Thank you in Jesus' name. Merci dans le nom de Jésus. May God bless you. Que Dieu vous bénisse.